On va revenir à première faute. Là, pas déclarement. Avantage là-bas, plaquage. Allez, du temps. Simple pénalité. Ok, avantage pénalité. Vous avez deux ans. On est toujours sur avantage. Hein. Juste en mêlée où il y a des situations et le gaucher où l'épaule était très cachée. Là ça s'est amélioré donc il faut qu'il continue le travail. Exactement. C'était le seul truc et ça va mieux. Donc que ça dure. Okay. Sur la dernière du coup c'est plutôt le droitier que vous prenez. Ouais exactement. Ouais, il est pris en travers, il se relève. La touche à la droite, oui, aucun problème. Jo ! Il est où ? Le vin avec moi ! C'est dans leur 50, hein, par contre, c'est ça ? Ok. On est sur avantage, coup de pied franc, pas à 10 mètres. Sorti, sorti. Vas-y, reculez. Ouais, c'est ce que je vois aussi, donc... Ok. Ouais, c'est vrai que voilà, comptablement, il va nous rapporter quelques points. C'est pas ce qu'on était venu chercher. On était vraiment venu chercher un contenu, un état d'esprit. Donc voilà, le plus important, c'est qu'on sort de ce match avec, avec le sentiment qu'on peut se regarder dans les yeux et qu'on a fait un bon match de rugby. Après, voilà, ça nous rapporte deux points. Tant mieux. Je pense qu'on aurait pu l'emporter, mais on aurait pu aussi le perdre. Donc finalement, c'est assez logique. Ouais, il y a eu ce plus 13 à un moment du match. Comment t'expliques voilà, que vous aviez perdu un petit peu le fil? Ben, on a eu un gros passage à vide avec un carton jaune aussi qui nous a fait mal. Donc voilà, ça a laissé cette équipe de casse revenir. Encore une fois, je crois qu'ils ont des occasions à la fin pour le gagner. Nous, on a une dernière action qui peut nous faire gagner aussi. Donc voilà, on va, encore une fois, au-delà des points, je vais retenir le contenu et l'état d'esprit qu'on a montré cet après-midi. Bon Henri, ça sera des festivités du réveillon plus sympa quand même que celle de Noël. Ouais, forcément, c'est vrai que...
Je ne sais pas si j'ai déjà passé un Noël aussi compliqué que celui de cette année. Donc voilà, on va se retrouver tous ensemble pour fêter le réveillon et passer ensemble la nouvelle année. Bon, c'est la période, les bonnes résolutions pour l'année 2023. Mais voilà, continuer à travailler dur pour, je l'espère, se donner une chance d'aller chercher quelque chose en fin d'année.